Yo, on my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the better when I write this way. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième partie, comment se nourrir avec des plantes. Ça va être extrêmement simple. Il y a plusieurs types de plantes, en réalité il existe 14 types de plantes comestibles en pleine forêt, mais je vais vous expliquer les plus courantes et celles qu'on peut le plus croiser et plus facilement préparables pour manger. La première, ça sera le bouleau, notre grand ami l'arbre qui nous donne à boire, ben maintenant il nous donne à manger, il peut aussi nous faire des récipients, etc. Donc c'est assez simple. Il nous donne à manger, on peut récupérer ses feuilles puis les faire frire un peu. Vous voyez ce que c'est de la friture, mais on peut faire ça. En gros, on les met dans l'eau, je pense, je ne sais pas trop comment ça. Et on les fait frire et tout simplement on pourra les manger un peu comme des sortes de chips, on va dire. Et je vous assure, apparemment c'est bon. Voilà, jamais goûté. La deuxième, ce sera, vous voyez des pâquerettes, ben, sur la tige, il y a des feuilles, vous pourrez la récupérer si la manger. C'est ce qui sert d'assaisonnement dans certaines salades, donc voilà, vous pourrez la manger. Ensuite, il existe les orties, donc comme vous connaissez la soupe d'ortie, je crois, c'est comestible. L'ortie, vous l'attrapez par en dessous, vous pouvez le manger. De toute façon, on va en trouver quelques exemples à faire. Et voilà, donc là je vous ai présenté quelques plantes. Après vous pourrez manger bien sûr des fruits, genre des fraises, des bois, des framboises, des mûres, etc. Tout ce qu'on peut trouver en forêt. Donc, je vais aussi vous amener à des endroits comme celui-ci. On est parti. Donc on a trouvé des orties, vous voyez juste ici. Donc la fraise du dessus pique, la fraise du dessus ne pique pas. Donc il va vous suffire de la choper par en dessous, de la tirer, ensuite il va falloir faire une boule, comme ça. Hop, toujours en essayant de garder la main en dessous. Donc là je vais me faire piquer parce que je fais ça. Voilà, la plus petite boule possible. Vous allez devoir faire. Hop, un peu là. La hacher un peu dans vos mains. Et vous voyez, ça fait une toute petite boule. Et vous allez pouvoir la manger. Alors, ça n'a pas de goût du tout. Mais c'est comestible. On dirait du shit. Dégueulasse. Vous voyez, en faisant 100 mètres de plus, c'est assez simple. Vous suivez le bord des chemins, vous allez facilement trouver des murs. Donc voilà, il y en a là. On va essayer d'en prendre une assez plus haute. Là où les animaux ne pissent pas, je pense pas qu'ils ont pissé. En gros, voilà, ça se mange, vous connaissez. Tout ce truc, c'est délicieux. Caméra maintenant prend un peu. C'est délicieux, vous voyez. Donc après avoir mangé un ortie, c'est bien meilleur, hein. Vous vous baladez au bord des chemins et voilà, vous trouvez des murs, c'est assez simple. Donc voilà, après la longue recherche d'autres plantes, je ne les ai pas trouvées malheureusement, donc je suis vraiment désolé. Mais je sais que par exemple parmi ce champ, il y en a énormément qu'on peut manger, qui sont comestibles, mais je ne saurais pas vous dire comment les manger, il faudrait que encore je me renseigne plus pour ne pas faire une troisième partie. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu à ta question. Voilà, tu peux mettre un pouce bleu, commenter, me dire un peu si tu connais d'autres plantes qui sont comestibles, des façons de les manger, etc. Je pourrais dire vos commentaires un jour. Me poser des questions pour une FAQ qui risque de ne pas tarder. C'était Flo, bye. Yo, on my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the better one.